Une pianiste d'exception, un groupe de percussionnistes à couper le souffle et une icône du Pékin contemporain. Tous en harmonie pour faire écho à la musique classique du début du XXe. Yuja Wang, la fantasque artiste d'origine chinoise, est de retour dans sa ville natale. Le temps de 3 concerts, elle sera la première femme artiste résidente du Centre national des arts du spectacle de Pékin. Sa première représentation aux côtés de l'ultra-dynamique percussionniste autrichien Martin Grubinger a enthousiasmé le public chinois. Cet arrangement d'une sonate pour 2 pianos et percussions de Bartok va rester dans l'histoire parce que le 2e piano est remplacé par 2 marimbas. Et vous savez, jouer à cette vitesse avec des marimbas, le clavier est tellement plus grand, cela demande un travail énorme et surtout de sacrés réflexes. Outre Bartok ou Stravinsky, le public pékinois a également pu découvrir des compositeurs contemporains, comme le néo-zélandais John Tsatas. J'adore jouer avec les chanteurs, j'adore jouer avec les archers, mais aussi avec les percussionnistes. C'est un langage complètement différent. Ils ont une façon d'appréhender la musique très directe, très rigoureuse. J'ai la même approche. Et ça m'oblige à sortir de ma zone de confort pour atteindre ce niveau. En plus, ils jouent vraiment très fort. Artiste tout-terrain, Yuja Wang aime côtoyer toute forme d'expression artistique. À Pékin, elle adore déambuler dans l'espace 798, une zone dédiée à l'art contemporain, située dans un ancien site industriel désaffecté. Ces mots résonnent encore plus au milieu des œuvres de l'Américain Robert Rauschenberg. J'adore me balader dans les galeries d'art et parfois, quand je m'y attends le moins, je suis frappée. Je cherche l'inspiration, l'illumination. L'art contemporain me passionne parce que je peux ensuite l'intégrer dans ma propre vision de la musique contemporaine. Tout est lié, tout vient du même endroit, du plus profond de l'âme, du cœur, de l'intellect. Enfin, je ne sais pas, je ne joue que du piano après tout. Né en Chine, formé au Canada puis aux États-Unis, Yuja Wang traverse le monde pour faire découvrir sa vision de la musique, drainant derrière elle une impressionnante audience intergénérationnelle des millions de jeunes fans. Je suis très flattée, beaucoup de jeunes filles viennent me voir. Je pense qu'elles apprécient mon côté fashion, mais qu'elles sont aussi attirées par mon audace, ma confiance, peut-être même mon impertinence. Oui, je pense qu'il fallait vraiment être très audacieux pour jouer avec 4 percussionnistes.